Lundi papa, mesdames, mademoiselles et messieurs, Gary Conny prend la rue. Ton roi commence à parler. Aïe, aïe, aïe. Information est tombée. Vous pouvez saisir de qui ça t'est passé. Effectivement, je vais commencer par les détails maintenant. Vous avez regardé sous visage, je suis là. Vous pouvez saisir, oui. Vous avez dit tout. Qui ça a presque fait avec KPM là? Mais c'est dans la société, après que j'ai fini de passer une nuit, à passer misère, à souffrir. Venez avec moi, on a regardé, et puis attendez. Regardez comment elle a souffert, regardez comment elle a expliqué. Je vais regarder la difficile pour lui. Même si tu regardes ma tête, tout coûte. Après ça, je vais le bon détail et puis je vais boire ça. Mais tout le temps, je fais soir, je réfléchis aux bagages. Et si je n'ai pas de sécurité pour te mener une descente rapide? Et si l'homme arrive, je viens de l'hôpital la fermer? Et si même si je viens de l'hôpital la fermer, je vais venir un docteur? Mais même si je viens de docteur, je vais venir un pour me acheter des médicaments. Mes bénédictions, je vous dis, je vais te gagner. 75% de l'infrastructure sanitaire, 75% de l'hôpital à clinique dans le pays, pas accessible. L'infrastructure pays a fini crasé. Messieurs, dames, la société, l'histoire est évidente pour que vous soyez informés de ce qui a passé actuellement là en bas dans le pays d'Haïti. Monsieur Gary Conny, retrouvez-le dans une situation côté qui n'est pas presque une possibilité encore. Monsieur a frappé. Et finalement, il explique à travers cette vidéo que le met dehors, il dit si malheureusement, donc pas de chance pour le tenir sécurité, il pas de docteur qui est disponible pour lui 24 sur 24, comme la ville d'après le passé. Bagay ça a pratiquement arrivé. Mettez un docteur dans une grande réflexion pour connaître pratiquement qui ça le prend le faire et qui ça le doit faire. Faut-il tenir même pas le détail, il m'a expliqué. Il est important pour me partager toutes dernières informations quand même. Mes frères et sœurs amis, deux individus, la police météo en bas code. Monsieur Sao qui prend le soin de toujours fabriquer des armes artisanales. La police saisit surtout dans la dans zone Tchot. Et bien nommé Saint-Ville Rubens et Jean-Baptiste Samson. C'est deux volants Sao, donc alias à Maître Pays. Mal bon détail, mal sico, comment ils sont kembe. Est-ce que tout le bagarre est fort? Il est nécessaire pour informer de tout ce qui a passé actuellement là en bas dans le pays d'Haïti. Comment nous essayons d'avoir kembe? Si tout le bagarre est fort, c'est maman Bembacha et pas Koutla. Nous c'est pays pour Théa, nous bâti. Ici, le channel interactif Wendy 609. Juste un clic et vous aurez accès à tout ce qui domine l'actualité. Soyez toujours avec nous pour être toujours mieux informé. Wendy 609, notre passion, vous informer autrement. Mesdames, messieurs, il est évident pour que nous partagions l'information ensemble avec vous-même. Gary Conny frappé mystiquement hier soir. Mais bagarre a venu sous forme maladie simple qui permet que Zami arrive dans une situation, la réfléchir pour connaître pratiquement qui meilleure méthode est capable d'utiliser pour rejoindre la vie. Je dis à notre petite vidéo que monsieur a mis d'ailleurs avec une petite chemise mauve sous lui que je vais le quitter, regarder encore. Mais finalement, on est capable d'entendre comment le premier ministre là a parlé avec regret. Et sincèrement, mesdames, mademoiselles et messieurs, l'on a essayé d'entendre comment le premier ministre a parlé. Vous sentez son aigle, l'esprit va finir trop correct sur lui, non? Et vous sentez l'autre dit, je voulais avancer tout près, mon Dieu. C'est comme quoi, s'il n'a pas gagné l'éternel, le clap a en pile difficulté. Mes frères et sœurs, amis, à travers la vidéo, ça, que M. Météléon, donc il renouvelé engagement en tant que premier ministre haïtien, donc pour attaquer divers espaces qui sont extrêmement importants, tout comme quoi la santé qui t'a de priver un privilège pour lui-même, c'est justement donc un choix qu'il fait. Mais pas oublier de expliquer nous hier soir, c'est à travers donc un dîner donc PM noté aller à plusieurs malfaiteurs mauvais graines mal pour autre en dans gouvernement qui pratiquement t'a décidé fait affaire qui mêle avec lui-même qui pourra le mettre dans une situation extrêmement difficile. On allez, m'a parlé plus, on attendait et puis m'a croisé à vous tout de suite après. On va dire bonsoir. J'espère que nous avons profité de jeudi dimanche ça pour nous reconnecter avec mon Dieu, nous, pour nous fêter à la famille, nos amis, pour nous partager un moment avec petit nous. Pour nous déposer chai là au moins jeudi avant de recommencer la bataille là demain matin. On profite de faire cette vidéo ça avec nous parce que je nous connais hier soir, on a eu un petit malaise. Un petit malaise là, t'as cassé au lieu. Grâce à Dieu, il y a une équipe de sécurité qui fait gros diligence. Je suis un docteur. Et les arrivé à docteur, je suis une équipe de médecins parmi les plus qualifiés au monde qui prend ma main. Alors que c'est vrai que je suis à l'hôpital, mais déjà je dis à m'arriver à retourner à la carrière dans ma famille, dans mes amis, à continuer de travailler.
Mais tout le temps fait hier soir, je réfléchis au bagage. Et si je n'ai pas de sécurité pour te mener une descente rapide? Et si je suis arrivé, je viens de l'hôpital la fermer? Et si même si je viens de l'hôpital la fermer, je vais venir un docteur? Mais même si je viens de docteur, je vais venir un pour me acheter des médicaments. Et mes bénédictions, je vous dis, je vais pas de 75% de l'infrastructure sanitaire, 75% de l'hôpital à la clinique dans le pays, pas accessible. Infrastructure pays a fini crasé. On dit besoin pour aller à l'hôpital général, il n'y a pas capable. On dit besoin pour aller à un centre de santé, il n'y a pas capable. Situation ça, pas qu'à continuer encore. En fait, tout hier soir, je me suis dit, est-ce que mon Dieu va me bénédiction ça? Ce sont des gens pour montrer qui ça qui est important pour attaquer tout de suite. Est-ce que ce n'est pas Dilzim Gari pour le mieux priorité, c'est attaquer la question santé ça? Santé dans la tête, mon Dieu. Je vais dormir chaque soir avec inquiétude, avec stress. Santé dans la vente, mon Dieu. Pour qu'elle vienne ça, il y a besoin pour manger. Santé, car le docteur, pour les malades, il y a besoin de soignage. Santé, la propreté, la rue, pour qu'elle vienne ton paquet de fatra, qui a besoin de maladie. Santé, de l'eau propre, pour qu'elle vienne. Est-ce que bénédiction ça, mon Dieu, pas moi-même, pour le dire, je dis à moi, bonne chance ça, son privilège, dire, pour aller servir, pas pour tout. Mais pour aller servir. Depuis mon entrée, vers semaine là, je travaille fort avec mon CPO pour nous rapidement capables de gagner un gouvernement. Nous avons pile de bagages pour nous faire et malheureusement, tout autant de bagages instruments, je ne peux pas commencer à travailler pour nous. Je suis un gros espoir que le bonheur semaine prochaine, on a fini par gagner un gouvernement. Les bagages ne prennent pas un petit temps quand même. Nous avons pile de bagages pour nous faire. Nous avons pile d'analyse pour nous continuer à faire. Et même là, quand ça va faire, ça prend un petit temps pour mettre en place. Par contre, nous avons besoin d'aller vite. Nous connaissons que la population n'a pas qu'à attendre encore. Peuple haïtien, nous avons un petit voix ça pour me dire que nous sommes bien grâce à Dieu. Nous sommes en santé, je dis à grâce à Dieu. Nous sommes au combat, je dis à grâce à Dieu. Et j'aime te promettre, nous avons continué à faire tout ça nous capable pour nous sortir de la crise. Merci à nous toutes. Qui te voulons un petit mot d'attention pour moi. Merci à nous tous qui relèvent le téléphone pour nous commander. Merci à docteur qui travaille toute la nuit là, qui est dans le pays toute la nuit là, pour nous assurer de réparer. Merci à monsieur sécurité qui font un travail extraordinaire pour assurer nous que nous arrivons à docteur à temps pour que ça, pour que malaise nous ait, il va continuer à détériorer. On va continuer une petite conversation avec nous régulièrement. Moi, je te promets nous transparence. Depuis qu'on a équilibré qui concerne le Premier ministre en primature, nous mettons compter sous moi pour nous dire nous ça qui passe. Je vous dis encore une fois, je vous remercie bon Dieu tout, je vous remercie la famille mieux que la veine et je vous dis courage, courage, nous n'y avons pas loin. Merci beaucoup. En tout cas, mes frères et sœurs, amis, il est évident pour que vous partagez avec nous-mêmes qui sont gagnés comme compréhension de sacrifier Gary Kounian. Sincèrement, moi, je me pose cette question, est-ce qu'en réalité, donc, M. Sahara pourrait être capable de vivre avec tout un chien enragé ça au moins en Haïti. Donc, je suis certain, à travers le partage de gouvernement qu'il fait, donc, l'État comme quoi mettait, il y a pile de difficultés par mon côté ancienne classe politique là, une situation qui pourrait mettre les g pile de difficultés, mesdames, mademoiselles et messieurs. Donc, il est évident, donc, pour nous-mêmes, nous comptons qui ça nous fait. L'autre information qui peut dominer l'actualité, j'ai que de déjà dit, vous venez avec mon regard de dégoûté au Sahara, ou après, figurez que marqué moins coupable, qui s'est passé, c'est deux individus. Donc, la police a mis en bas code, monsieur Sahara qui prend le soin, il monte une grosse entreprise, et bien, dans l'entreprise, qui s'est fait, c'est fabrication d'armes artisanales, que la police pratiquement font pirouette la caillou dans une tiote. Et bien, nommé Saint-Ville Rubens, avec Jean-Baptiste Samson, que tout le monde connaît son nom, alias Maître Pays, et bien, monsieur qui a gagné en 21 à 30 ans, il a dit, monsieur qui a gagné 21 ans, et deuxième courrier, donc, monsieur lui-même qui a gagné 30 ans, donc, la police a arrêté les gens, donc, a finalement arrêté pour association malfaiteur pendant, donc, l'opération, la police a fait. Donc dimanche 9 juin 2024 là dans Tiot faut que nous dit donc une localité qui est Kalundi donc gagnent yon zam de fabrication artisanale qui ont retrouvé tout chez yon mauvais grain donc eh bien la police nationale d'Haïti dans le sud-est
pratiquement mettez les yeux en côté jusqu'à présent là pour pas réfléchir. Mais j'ai comme toujours me dire, il est évident pour nous d'appeler dit nous là, mettez les ça et dormir donc dans prison. Les yeux cassés prison, les yeux fait tout ça au fait. Donc pas qu'un côté là, la police pour nous mettre les yeux qu'un côté. Tant pris à faire sorte les nous prend mauvais grain ça. Fait population vivre ensemble avec eux-mêmes parce que donc la devise dans ce slogan c'est vivre ensemble. Il est important. Là, c'est parti réveil national. Jean-Tel Joseph en mode président. Mais monsieur Gale n'a pas besoin président pour le venir diriger non le même. Mais monsieur en mode président. Mais t'as semblé ses places là fait pour Guy Philippe. Ça fait quelque temps m'a suivi Jean-Tel d'ailleurs. Le négocié annoncé au mettez mandat derrière monsieur. Monsieur des gros équipements d'a été lancé derrière monsieur derrière Rosemont Jean tout ça. Il parlait pas de m'a suivre next encore. Et des Rosemont Jean, des Arabes, des Magali habitants, mais Magali, il était allé joindre le juge, je crois, Merlin Bilabre. Et je crois dossier, il est allé pendant deux fois devant le juge. Je crois dossier là, censé classer. Par contre, si il y a une suite, mais il est allé devant le juge, lui-même, Magali habitant. Je me suis parlé de ça. Et l'autre n'est pas un baron, ça a été fait. Jean-Tel, depuis le ça, au contraire, je suis pour l'autre disposition là. Et le Jean-Tel a pris ton coteau, où est son président qui a pris? Je suis annoncé en pile cause là. Parce que pas oublier, monsieur t'a annoncé déjà mobilisation en pape campé. Hébergé en droit, je te salue. Monsieur t'a dit mobilisation en pape campé. Pour quelqu'un lever campé dans tout coin dans le pays, ça va faire. Je t'ai annoncé depuis pour 19 juin, ça va faire. Dans 19 mai, ça va faire. Au final, Gary Conny est venu là. Eh bien, monsieur paraît encore une fois tout lui-même. Ça, c'est authentique, capable. De la nouvelle Haïti. Ça, c'est Jean-Tel Joseph. Engagez-le. Hein? Réveil national et allié, engagez-le. T'as des causes. Si c'est applaudis pour ça, attendez, en vérité, m'a quitté ça. Et m'a petit Jean-Tel quitté ça. Applaudis à nous. Applaudis oui, président Valet. Red. Pas de jouet là. Pas de jouet. Non, est-ce que tu jouet? Non. Bataille pour la souveraineté nationale là. Est-ce que tu jouet? Non. Bataille pour faire respecter la constitution du 29 mars 1987 là. Est-ce que tu joues? Non, pas que je joue. Une fois de plus, une fois de plus, une fois de plus. Applaudis tête nous. Grenadier. À l'assaut. Grenadier. Hein? Grenadier. Hein? Grenadier. À l'assaut. Grenadier. Ah, bam, doua. Ah, on fait bouquet, mon cher. Est-ce que tu es capable de quitter à jamais ça, qui sacrifie le tête déjà, qui mourit pour bataille ça? Est-ce que tu es capable de jamais ça dans nos yeux? Pendant ce sang qui a coulé, nous demandons d'applaudir à Jean-Bé Sabio. Applaudir, on me donne, Mais c'est à Jean-Bé Sabio qui a tombé de mourir sans vous couler. On a dit avec vous. On n'a pas applaudi au tout. Eh bien, applaudir pour nous, s'il vous plaît. Moi, plusieurs. Merci en pile. Merci en pile dans nous. Mais tout, bon, jalousie. Bon, jalousie. Est-ce que ça n'a fait là? Ça nous prend engagement pour nous faire là. Il y a un soutien important qui est là, qui est avec nous là. Mais si nous ne applaudissons pas, comment Bessaël ça l'a fait traverser? Est-ce que nous sommes capables de mener une bataille en ligne pour sauver la souveraineté, pour sauver la constitution sans journaliste? Applaudis, journaliste! Est-ce que nous avons gardé une jeune pour ne pas applaudir? Journaliste, nous remets nous tous. Mais Frangi l'a dit nous merci avec un pile dans nous. Qui encourage, qui kembe dans la bataille ça. Depuis Chalmas et tout côté. Et m'a continué à remercier nous. Et tout ça très même. M'a continué à remercier nous. Des journalistes qui mourent. Est-ce que nous avons Amadi qui tombe? Nous avons journalistes qui GOPT. Nous avons journalistes qui prennent prison. Nous avons journalistes qui ont assassiné. En dedans Delma 33, commissaire Delma 33. Eh bien, dans ce sens ça. Non, pas d'applaudir, mais n'a pas un petit quelques secondes de recueillement avec le journaliste à tomber. Paix ensemble avec moi. Ça y mette vel, Fanfan? Mette vel? Ah, mais mette vel, ou à bas? M'a invité tout le monde qui est d'accord que ne pas qu'à quitter souveraineté pays d'Haïti, la première république noire libre et indépendante du monde. Nous pas qu'à quitter souveraineté et dignité en papier. Donc, camper pendant que nous prenons lecture de cette grande déclaration conjointe et solidaire. Note de presse pour l'histoire et au nom des générations à venir. Nous, Réveil National, les secteurs revendicatifs haïtiens,
les partis politiques, les ouvriers et travailleurs, les syndicats, les élèves, les étudiants, les universitaires, les professionnels, les paysans, les petits marchands, les organisations pastorales, les organisations des victimes, constatant les dérives accumulées et les tâtonnements infructueux des acteurs traditionnels, nationaux et internationaux depuis l'assassinat crapuleux du président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Considérant l'effondrement de la quasi-totalité des institutions républicaines chargées de garantir la continuité et la sûreté de l'État, fait faillite au vu et au su de tout le monde durant les 3 dernières années notamment. Considérant que depuis plusieurs décennies, notre patrie chérie Haïti se trouve plongée dans une pratique mafieuse et infernale d'insécurité programmée, avec la multiplication des groupes armés un peu partout à travers le pays, prenant mystérieusement en otage le politique, l'économie, le social, le culturel, le religieux et toute la population haïtienne, bloquant ainsi la libre circulation des personnes et des biens au regard passif et complaisant, pour ne pas dire complice, de l'ensemble des institutions payées et chargées de la sécurité nationale. Constatant que les démarches visant à la formation et à la composition du Conseil présidentiel de transition sous l'égide de la CARICOM et de la communauté internationale devient de plus en plus une farce, une honte flagrante aux acquis glorieux de nos ancêtres qui nous ont légué cette terre de liberté comme symbole de souveraineté et de la dignité des peuples noirs du monde. Considérant qu'il y a urgence extrême pour le peuple haïtien de parvenir à rassembler et à regrouper d'une équipe d'hommes et de femmes progressistes, patriotes, nationalistes, conscientes, honnêtes, intègres, compétents, visionnaires, expérimentés et bien imbus de la gestion de la chose publique, afin de s'attaquer aux causes et conséquences des problèmes fondamentaux, sécuritaires, socio-économiques, socio-politiques, socio-juridiques et légaux, notamment la réforme ou la refonte constitutionnelle. Considérant qu'il y a urgence et priorité de recoudre le tissu social haïtien mis en lambeaux durant plusieurs décennies par l'organisation et la réalisation du grand dialogue national tant sollicité et attendu par toutes les forces vives et progressistes du pays. Convaincu que la manifestation de l'élan de solidarité avec lequel le courageux et vaillant peuple haïtien d'ici et d'ailleurs, notamment la diaspora haïtienne, a fait montre de la construction de notre canal appelé canal de la dignité. Puis les rap politique ce canal là bas. Avec l'apport et le soutien de nos vaillants agents de PESA. Oui, nous sommes jeunes, nous sommes là. On va profiter des gens tels qui mettent BESAP là. Dans le département du Nord-Est, pour vos Haïtiens et au monde entier, une fois de plus, la résilience et la capacité historique du premier peuple noir libre pour amorcer un nouveau départ à la conquête de sa souveraineté et la restauration de sa dignité, la nation libre sous un nouveau leadership collectif avec des gens de bonne volonté, intègres, avisés, compétents et responsables. C'est qu'à tomber, papa.
convaincu que le pays détient encore et toujours des ressources humaines dignes de son passé historique et qui a le sens du sérieux, de la volonté, de la responsabilité, de la capacité pour dialoguer avec tous les secteurs. Président. Acteurs de la vie nationale et autant avec les partenaires.